Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire voir comment j'ai fabriqué ma plaque lumineuse, parce que j'en ai déjà parlé depuis un moment, donc faut la faire. Donc avant toute chose, il faut déjà un peu de matériel quoi. Il faut une barre d'alu de 2 mètres, il faut une barre de PVC. Je vais vous faire voir en fait. Tac. Donc je prends une barre d'alu comme ça là, de 2 mètres. Après il faut du PVC. Bah, pareil, il faut 2 mètres quoi. Je vous mettrai toutes les tailles si vous voulez. Il faut du PVC translucide, mais c'est pas translucide, c'est blanc quoi. On voit à travers, mais pas trop quoi. Qui fait 3 mm d'épais. Ça, c'est pour le devant. Et donc, déjà, on va déjà assembler ça. Il vous faut aussi un cordon lumineux. Moi, le cordon lumineux, c'est un truc que j'ai acheté chez Action. Là. Ça va très bien, ça suffit. Bon, après, je crois que c'est 9 euros quoi. 9 euros. La barre de l'eau, je crois que tu as payé 2 euros, la barre de PVC 2 euros, ça doit valoir, dans les, je sais plus, 4-5 euros, pas plus. Et après, il va falloir un fond à votre plaque, quoi. Puis après, moi, j'ai collé un autocollant que j'ai redécoupé avec mon lettrage, quoi. Bah, je vais vous faire voir au fur et à mesure, quoi. J'ai tracé, donc la barre d'alu, vous voyez, on voit pas bien. Un trait, donc à 50, toc, toc, et un deuxième à 50. Voilà, voilà, et après deux petits bouts de 15. Et puis on va couper avec les angles à 45. Et puis voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est le chien en fait, le bruit que vous avez entendu. Tiens, le bleu. Il doit se demander à qui je parle en fait. Moi gros. Tac, bon après on débite les deux barres avec les bouts à 45. Je vais essayer de faire de mon mieux parce que c'est pas facile. Ouais, magnifique culasse. Donc voilà, on a déjà les deux grandes longueurs, donc ça fait 50 cm. J'ai fait les coupes à 45, bon, faut y barber, y faire propre quoi. Maintenant on va faire les petits côtés. Hop. Donc je sais plus comment j'ai dit, 14 de haut les autres. 14. Ouais, on va thank you.
Donc voilà, on se retrouve avec donc les deux morceaux de 50 cm plus les deux petits de 15. Donc on vérifie, tu vois, les angles. Et... Là, il n'y a rien de collé, il n'y a rien de soudé. Rien de... Hop. Les angles sont bons. Donc maintenant, on va découper une planche de 50 par 15 pour faire le fond. Hop. Donc là, voilà, les barres sont découpées. Le fond est découpé à la taille. Hop. Plus qu'à assembler les deux. Là, je vais mettre, je sais pas comment encore. Sur l'autre, j'avais mis des petits rivets, mais ça allait pas très bien. Donc là, j'ai essayé de le coller carrément au scotch double face directement, en fait. Voilà, je reprends dans 2 secondes. La dernière fois, quoi. J'ai percé des petits trous, vous voyez. Hop, juste comme ça, là. De part en part, comme ça, je mets les rivets par l'autre côté, en fait, par dessous. Je mets des petits rivets de rien du tout, hein. Juste pour que ça se tienne. Là, je vais mettre du scotch double face. C'est du bébé tout con, hein. Double face sur toute la surface, en fait, toute la surface. Je vais recouvrir de papier d'aluminium pour que ça reflète la lumière. Et après, je vais remettre mes petits rivets pour riveter les quatre côtés comme ça. Hop. En fait, ça va faire ça, et le fond, il va être en aluminium, quoi, en papier d'aluminium, de cuisson, hein, de cuisine, de tout con. Hein. Voilà. Donc, je vous reprends dans 5 minutes. Faut que j'aille chercher du papier d'aluminium. Donc voilà, le papier d'aluminium est posé. J'ai fait le petit tour en alu là, en carré d'alu. Voilà. Donc, j'ai remis juste 2 petits rivets pour maintenir. Vous voyez? Parce qu'après, ça va tous tenir ensemble, en fait. Il y a juste 4 rivets et demi, quoi. Bon, là ça bouge encore un tout, hein, mais bon, ça va tout se tenir après. On va ouvrir ça, là. C'est tout de chez Action, quoi. Bon, en fait, c'est marqué 12-24 dessus, mais faut pas le brancher en 24. Hein. Quand on se fout, il explose. Quand on se fout, une résistance, je sais pas quoi. Dedans, il y a un truc qui pète. Et moi je les branche en 12 volts, ça marche très bien. Voilà, on va faire ça. La dernière fois j'ai fait passer comme ça et là je le pose. Donc il faut qu'on coupe la bande. Donc en fait la bande on la coupe pas n'importe où, il y a des petits repères dessus, vous voyez, on peut découper, il y en a un peu plus loin,
Donc on la remet dedans. Voilà. Donc là, en fait, c'est pas comme la mienne, parce que la mienne, moi, je l'ai branchée directement en rouge. Et celle-là, elle va être en multicolore avec ça. Là. Hop. Et une petite télécommande. Donc maintenant, en fait, il suffit de recouper une plaque pour recouvrir toute la surface et de la poser dessus. C'est facile à dire, mais on va le faire. Donc voilà, le couper. Il faut dégrossir un peu là, faire propre. Comme ça, on prend juste un papier. On enlève les fils. Bon, il faudra avoir des ongles, ça ira mieux. Et il n'est pas transparent quoi. Il est blanc. Donc voilà ce que ça donne une fois comme ça. Puis maintenant on va faire le tour en fait en PVC blanc. Voilà, donc je l'emboîte dessus comme ça. Bon. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait cette taille là quoi, pour que ça se rende pile poil dessus et ça superpose bien. Donc voilà, j'ai fait le tour en blanc en PVC. Elle est finie. Donc voilà. C'est pas une plaque à 250$ quoi. Hein. Mais bon, je la trouve pas mal. Hop. Maintenant, en fait, il restera plus qu'à coller l'autocollant. Là, je le fais pas. Parce que moi, c'est pas pour moi. C'est pour un collègue. Donc je vous ferai voir sur la mienne quoi. En fait, sur la mienne, j'ai juste collé un autocollant noir. Et là, c'est du Vinelia noir. J'ai collé deux couches ensemble. Et après j'ai découpé dedans mon prénom pour que ça fasse un pochoir quoi. Et après je l'ai collé. Et voilà. Puis bon alors là la guirlande, je sais pas comment on appelle là. La bande LED là je l'ai payé 9€. Le PVC blanc donc 3 mm. Okay, c'est du PVC translucide. Donc blanc il fait 3 mm d'épais. Hein. Faut pas plus parce que sinon ça rentre pas. Le bout de morceau. Le morceau de bois, c'est ça, c'est un ancien fond de tiroir qui fait aussi 3 mm. Et après, bah, la baguette PVC, c'est de la baguette comme ça, là, c'est de la baguette de protection, je sais pas, de parquet, moi, ça, pas avec. Et je sais même plus la taille d'ailleurs. Et bah, c'est marqué, c'est de la 10-21-10. En fait, elle fait 10 mm de haut, là. 10 mm, 21 mm, 10 mm. Et la baguette en alu, elle fait 10, 12, 10. Donc ce qui fait, ben, comme ça, en fait, ça rentre tout, quoi. Ça split tout les uns dans les autres. Et c'est. Alors en fait, dans la plaque, il y a 4 rivets, quoi, pour la tenir. Ensemble. Donc voilà. Donc voilà, la plaque est finie. Bon, la mienne, je l'avais peinte en noir. Et là, c'est pour un collègue à moi, donc je sais même pas comment il va la faire. C'est pour ça que si j'ai pas collé l'autocollant, en fait, moi, l'autocollant, c'est du. Moi, j'avais juste pris du Vinelia noir. Que j'avais collé sur toute la surface, mais en fait le Vinelia, si vous prenez le Vinelia, il faut le doubler. Il faut coller, vous collez une bande sur une autre bande. Moi j'avais fait ça. Après j'ai découpé mon prénom dedans et ensuite je l'ai collé dessus. Parce qu'en fait c'est un peu limite niveau lumière sinon. Donc voilà, il est 20h, il fait nuit, donc je vais aller faire un tour dans la voiture pour vous faire voir un peu ce que ça fait. Donc la plaque ça donne ça quoi.
On voit pas très bien en fait, ça fait bleu. En fait, les points blancs qu'on voit en haut, après, ils sont cachés par l'autocollant, quoi. Alors, les couleurs ressortent pas terrible. On va essayer avec une autre couleur. Voilà. Ah, ça sort pas terrible avec la, avec le téléphone. Alors, en fait, ça fait comme ça. Mais après, on peut faire plein de choses, quoi. Bah, de toute façon, c'est la, c'est comme un plaque, hein, donc. Voilà. Si on met en rouge puis on met le lettrage, bah ça fait ça en fait. Les points en blanc, en fait, on les voit plus après avec le noir. Voilà. Je peux vous faire un... quelle couleur? Les couleurs sortent pas très, très jolies sur le téléphone. Après, il y a plusieurs positions. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc ça vous donne une idée quoi. Ça fait une jolie plaque pour une vingtaine d'euros. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager un max quoi. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.